Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur NBA 2K16 pour le mode carrière joueur. Et donc aujourd'hui je pars, donc comme vous avez pu le voir dans le titre, je suis dans une nouvelle équipe. Alors, pourquoi je n'ai pas proposé la finale des playoffs? Tout simplement que pendant l'enregistrement de cette finale, l'enregistrement a planté. Voilà, c'est pas la première fois que ça a planté sur NBA 2K. Donc voilà, malheureusement j'ai pas pu proposer la finale de la grande finale des playoffs. Et donc du coup bah je l'ai gagné avec Boston. Et aujourd'hui bah je suis dans une nouvelle équipe. Et j'étais en fait je suis dans l'équipe des Golden State. Donc en gros c'est San Francisco s'il me semble, hein. Donc bah c'est l'équipe qu'on a affronté en finale. Et c'est l'équipe qui est en forme en ce moment en NBA. Donc voilà, j'ai voulu quitter Boston, surtout que j'étais en agent libre. Et donc j'ai négocié un peu, j'ai négocié aussi avec les Spurs, donc Boston, et donc avec les Golden State, niveau salaire, etc. Et donc du coup, bah, c'est les Golden State que j'ai choisi, parce que les Spurs, ils n'ont pas voulu proposer un petit peu plus d'argent, parce que c'est vrai que je touchais moins que face à quand j'étais à Boston. Donc du coup, ils ont bloqué les négociations, ils ont plus voulu de moi. Et donc du coup bah je suis avec les Golden State. Et donc c'est parti, aujourd'hui on a un match contre Phoenix. Et donc j'espère que... Donc là j'ai fait la couverture d'un magazine. Je crois que c'était à l'époque où j'étais à Boston, il me semble. Voilà le monstre à l'intérieur. Et bah du coup donc c'est parti. Alors que j'ai fait simuler, d'accord. Bon, j'ai simulé un match en faire exprès, on a gagné. Donc du coup bah ce sera un match face à Sacramento. Donc du coup let's go. Allez c'est parti les 5 titulaires. Donc avec j'ai pas eu le temps de voir. Bon. Bah du coup c'est parti. Donc j'ai amélioré encore mon joueur dans les dunks, dans les doubles pas, etc. Donc bah toi je fais des trucs beaucoup plus cool. Oh, c'est la première fois que je vois mon joueur jouer avec le maillot bleu. Donc du coup j'ai les accessoires qui sont avec. Ça fait un petit peu dégueulasse quand même, hein. Ça, le bleu jaune ça se marie bien on va dire. Mais oula, va falloir que j'enlève toutes les jambières, parce que je trouve que ça fait ridicule le bandeau aussi. Et donc du coup bah c'est parti pour ce match. Ça commence déjà très très mal, 0-2. Donc voilà, je continue la série sur NBA 2K, parce que vous êtes quand même assez nombreux à regarder. Mais si j'avoue que peut-être que j'arrêterai, voilà tout simplement, j'arrêterai peut-être. Donc je vous proposerai que bah, les matchs, enfin les All-Star ou les matchs de playoff. Mais je vous avoue, pour arriver jusqu'au playoff, faut que je joue. Et le problème c'est que j'ai pas forcément non plus trop le temps de jouer à NBA 2K. Je joue également aussi à plein d'autres jeux. Et donc, du coup ce qui fait que j'ai pas forcément peut-être le temps. Allez, le 3 points, non ça passe pas. Donc c'est pour ça, je sais pas encore si je vais continuer sur NBA 2K. Peut-être que là c'est ma dernière vidéo sur NBA 2K. Sincèrement je sais pas trop encore si je dois continuer ou pas sur NBA 2K. Oh là là. Non, je pense que je ferai des gros matchs, ça c'est sûr. Donc je pense pas que ce soit quand même ma dernière vidéo. Oh là là, j'arrive pas à les mettre à 3 points, je suis forcé aux 3 points. Donc, pour l'instant on a mis 0 points. Ça va, je défends assez bien quand même. Allez, cette fois c'est la bonne. Il est tout seul. Oh là là, le petit dunk. Harrison. Oh là là, ce qu'il vient de mettre. Mon Dieu. Ah, mes deux petits points. Mes deux premiers points du match. Donc bien sûr je vais pas vous mettre tout le match en entier, hein, comme d'hab. Je vous mettrai les meilleurs moments ou quand il y a des actions de fou.
gets to the rim for two with the D all by Thompson. The defense ready for him on that possession. Allez, je suis tout seul, le dunk. Yes. Donc, je sais pas le contrat que j'ai signé avec. En fait, je sais pas, je crois que j'ai signé pour 3 ans Golden State. Ouais, le petit 3 points. Excellent feed from Steph Curry. For Sacramento, they've gone 5 of 9 from the field here in the first. Smart kicks to McCullough. Oh, le contre. And so it looks like the Kings will retain possession here. Dwayne Dedmon's checked in for Sacramento. Ce tir que je viens de contrer là. Ollie Stein and Curry pulls it down. Je suis tout seul là-bas dans le coin. Ouais, petit 3 points. J'ai failli pas récupérer le ballon, j'ai failli sortir. C'est bien, c'est récupéré ça, l'interception. C'est bien fait. La petite feinte, la petite passe. Oh là là, c'est magnifique. Oh là là. C'était bien fait ça. Magnifique action. NBA 2K, c'est vraiment un jeu que j'aime. Je prends toujours du plaisir à jouer. C'est vrai que j'y joue pas forcément beaucoup énormément non plus. Parce que c'est vrai que les saisons sont longues et tout. Donc c'est un peu chiant. Mais c'est vraiment un jeu qui est vraiment cool à jouer quand même. Par rapport à NBA Live par exemple. Bon allez, encore le contre. C'est ça qu'on veut. J'étais en retard sur lui, je me suis bien rattrapé. Allez, 17-13, toujours premier carton, ah ouais. Oh là, je suis tout seul. S'il me donne le ballon, il m'a pas donné le ballon. Ouais, peut-être un 3 points dans les dernières secondes. Et yes! Le point juste avant le buzzer. Et du coup, fin du premier quart-temps, donc on est devant. 20-13. Allez, les 3 points. Ça passe pas. J'ai signé un contrat d'ailleurs, enfin, je vais bientôt signer un contrat normalement avec Adidas. Je dois participer à 5 de leurs événements. Normalement, si je participe. Leur événement, à la fois j'aurai, je pense, un contrat avec Adidas. Où je commencerai à avoir un début de contrat avec Adidas. Allez, le contre. Ce serait plutôt cool de pouvoir signer avec Adidas. Allez, on est reparti dans le troisième carton. Du coup, il y a 45 à 45. Donc, c'est un match quand même assez serré pour le moment. J'espère qu'on va pouvoir commencer à creuser un petit peu l'écart dans ce troisième carton. Ou voir le quatrième carton. Je sais pas, ça sort le match à piège. Déjà, il lui met un de ses dunks aussi. Ça sent le match vraiment piège. Où ça va être joué vraiment jusqu'à la fin. Ça va, je mets mes 3 points, donc tant mieux. Je suis à 29 points, c'est plutôt pas mal. Peut-être que je me lancerai un défi d'essayer de marquer 100 points. Mais ça risque quand même d'être assez compliqué. Alors qu'on voit actuellement mes stats qui étaient de la saison dernière. Donc ça va, franchement j'avais fait une très très bonne saison aussi la saison dernière avec Boston. Donc on est toujours dans le troisième carton, il reste 2 minutes 50, donc on mène 58 à 52, donc ça reste serré. Ça reste vraiment vraiment serré. Allez, sur Stephen Curry. Ouais, bien joué. Et en plus du coup je passe à la note à moins.
Donc la note, si je peux passer à avoir une note A+, ça serait vraiment cool. Collison against Curry. A drive by Collison. Ah, c'est bien fait ça, c'est récupéré par la star de l'équipe. Allez, ici là, pour un 3 points, si je le mets pas, ah dommage. J'aurais dû le laisser y aller tout seul. On sait pas, on est toujours devant, mais ça va très vite dans le basket. Au niveau des points, oh s'il le met celui-là. Ah ouais. Ah mais il est énorme ce joueur-là, comment il est super grand lui. Oh regardez le joueur de fou. J'avais jamais fait gaffe comment qu'il était grand, le numéro 32, je sais plus c'est quoi son nom. Oh c'est un monstre. Le mec il est balèze. On voit que lui sur le terrain, regardez. Oh. C'est quoi, on dirait un russe. Je suis sûr que c'est un russe ça. Oh le monstre, ce que c'est, putain. Bon, là, moi, si je fais ça, tac, 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 après, ça marche. Hop, petit 3 points. Non, là, ça n'a pas marché. Bon. Charge dans le dos. Allez, on est dans les 5 dernières minutes de ce quatrième carton. Il y a 64 à 61, donc c'est assez serré. Là, dans le coin, peut-être le 2 points. Ouais, ça passe, nickel. 66 à 61. Faut pas que je me le plante en défense. Des fois je me plante assez souvent. Je laisse partir le joueur. Ah voilà putain. Oh là 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 là, ce contre. Magnifique. Ah putain, par contre là il l'a mis. C'était à moi de défendre. 66 à 64, putain ça commence à devenir un peu chaud là. Oh là là, je tente le 3 points mais mon joueur il a commencé à être fatigué, donc du coup au niveau des 3 points il faudrait peut-être que j'évite. Mais bon là c'est passé. 69 à 64. On souffle un petit peu plus. Ouais, j'ai marqué 41 points. D'habitude je marque à peu près 30 points par match. Ah oh là là, il le met dedans. On va pas y aller trop tout seul parce que sinon on va se faire bouffer. Je vais me faire avoir après. Oh là, je suis tout seul. Je suis tout seul. Oui, ça rentre avec un peu de chance. Du coup, je gagne encore plus de fans. Alors, en plus j'ai la note A. On va essayer d'avoir la note A+. Il reste 3 minutes mais ça va être compliqué. 72 à 66. Oh ça c'était obligé. Chaque fois il me l'a refait. Ça va, il le met pas. Faut que je tente le 3 points. Ah ça rentre pas. Faut jouer un peu avec le temps là. Allez, pas faire n'importe quoi dans ce dans les dernières minutes là. Du coup, où est-ce que je pourrais faire la passe là? Peut-être pour rentrer à l'intérieur. Le petit décalage pour peut-être le 2 points. Non, ça passe pas. Attention. Attention de pas se prendre un 3 points là. Ça pourrait faire très très mal. Non, c'est bon, il le loupe. Impeccable. Allez, là-bas là. Pour un 2 points. Ouais. Impeccable. Et en plus j'ai débloqué un palmarès, faire une passe décisive à chaque joueur de l'effectif. Ça j'avais jamais débloqué encore. Là il va faire, voilà. C'était sûr qu'il allait refaire comme tout à l'heure. Par contre là il m'a bloqué. Il a fait l'écran sur moi. Impeccable, il le met pas là. Je suis tout seul au fond là-bas. Peut-être pour un dunk, non. Même pas le 2 points. On a récupéré le ballon. S'il a peut-être le 3 points par contre. Ouais.
Allez, 77 à 68, là c'est presque mort, il reste 1 minute 40 dans ce quatrième carton. J'ai sûrement dépassé les 50 points. Donc ensuite, après, on se retrouvera donc pour un autre match, une nouvelle vidéo avec certainement pour un gros match. Hein. Donc là, c'était pas forcément non plus un gros match, mais bon. Pour l'instant, il n'y a pas de gros match encore qui arrive niveau calendrier. Oh, je suis encore tout seul là-bas. Est-ce que je tente un 3 points? Je peux, hein. Oh là là, dommage. Ils peuvent encore revenir, il faut faire attention. Une 15. Oh, ils le mettent pas. Ouais, j'ai deux petits points. Je finis à terre, j'espère que je suis pas blessé. Non. Bon, faut vite que je me relève là. Non, putain, j'ai eu peur, je croyais que j'étais blessé. Allez, rack des 3 secondes. Impeccable, il faut commencer à faire n'importe quoi. Là, je suis tout seul. Je vais passer à l'intérieur pour la petite patte. Non, il l'a pas fait, putain, merde. Qu'il me la fasse là. Voilà, on obtient la faute. Le lancer franc. Hop. La barre des 50 points dépassée. On va essayer d'avoir la note de A+. Il reste 41 secondes. Je sais pas si on va pouvoir l'avoir. Les Caps, on défend bien là. Inside, nice pass, nice catch, and a resounding dunk. Make it two hands for safety. That's what they say, right, Kevin? That's right, you got it. Allez, tout seul. Oh là là, j'ai perdu le ballon. J'ai récupéré quand même le ballon. La petite passe. Impeccable, petite passe décisif. Plus le contre. Et voilà, la note de A+. Maintenant, faut la garder, la note. Ce serait pas mal. Oh, j'ai perdu le ballon. Je vais perdre ma note de A+. Oh là là, dommage. Terminé avec un A+. Être le meilleur match. D'accord, on point. Et ben voilà, victoire. 83-70. En plus, j'ai fait un match globalement qui était plutôt cool. Plutôt pas mal. Donc c'était mon second match avec les Golden State, ou non, le troisième match, parce que j'en ai simulé un, sans faire exprès. Bon, on l'a gagné, donc tant mieux. Donc voilà pour cette vidéo sur NBA 2K16, genre, je vais essayer d'en faire un peu plus, et surtout sur les gros matchs, donc voilà, en plus, note excellent. Ok, d'accord. Je vais essayer d'en faire un peu plus, donc voilà. Donc n'hésite pas à mettre un petit j'aime à la vidéo, c'est la petite récompense. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu l'es toujours ou pas. Et merci à tous ceux encore qui suivent encore la série. Ça fait super plaisir et du coup on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne. Et je vous dis à très vite. Ciao ciao.